Hello everyone, you are in Professor Fields once more to help you speak English easily, like a native does, the way you have to. Okay. And don't forget, we have already said it to you every lesson, and we will have a more thought. Every lesson, we have a more thought. The more thought for today is good wine needs no bush. The more thought for Italy is good wine needs the mush. And the more thought for Italy is also a proverb. Okay. And don't forget, a proverb is an adage. A proverb is a saying. Ok? Donc, c'est professeur Paul là, professeur Fils, qui l'a encore aujourd'hui pour aider à apprendre anglais. Et pas oublier, nous disons dans chaque leçon, nous avons ça relève yon pensée morale. Et pensée morale, nous avons aujourd'hui, elle signifie à bon vin, point d'enseigne. Good wine needs no rush. Good wine needs no rush, qui signifie à bon vin, point d'enseigne. Qui signifie, celle pas avant tête li, dit le salé. Donc, pensée morale, pour aujourd'hui, c'est un proverbe aussi. Ok? The more thought for Italy is a proverb, is an adage, is a saying. Ok? À bon vin, point d'enseigne. Celle pas avant tête li, dit le salé. Et je dis à nous gagner pour nous apprendre quelques mots ensemble. Quelques mots qui quelques mots ont des difficultés pour prononcer. Ils ont quelques petits problèmes et ils ont des nuances pour leur prononcer. And suddenly we have some words to learn together. So what are the words? The first word that we have learned today is twice. Okay, twice. And we have twice. We have twice. We have try. We have try. Your. We have live or life. The words that we have learned today are twice, 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 try, your, live, life. Okay? Donc, c'est moi ça, nous va gagner pour nous apprendre ensemble. So, these words that we are going to learn today. Okay, twice, two, twa, twice, 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 try, your, or your, live, or life. Et nous avons quelques exemples pour ça. So we have some examples for these words. We have some examples that will help you to understand. And these examples, these following examples, will enable you to understand completely the words. Ok? Ou pa gen difikulte, apre ekzamp sa yo, akompwen mwen yo, tre tre bien. Nou gen mwen sa, anpen moun remen di twice, men se twice, tandi ke se sa ki twice. Ok? Twice. Donc, I do it twice, ki signifi je le fe deux fois. I do it twice, je le fe deux fois. Donc, twice la signifi deux fois. Ok? Li se yon adverbe de kantite. Nou gen deuxième ekzamp la li menm ki se that happens twice. Ouais. That happens twice. Ok? Donc, ça c'est I do it twice. And that happens twice. Ouais. Twice. And twice. Chua, toi. Twice. Twice. Yo pa même. Ok? They are not all the same. They are not similar. Yo pa similaire. Yo pa même. Ok? Donc, faut nous faire attention. Là, prononcer yo. Ou bien là, on dit yo pour nous pas avoir confusion. Ok, so we have to pay attention when someone says these one of these words so that not to be confused. Ok, I do it twice, that happened twice. Ok, et puis nous gagne mot ça lui-même qui c'est try, qui signifie essayer, lui c'est un verbe. To try, qui signifie essayer. Ok, nous venons avec un exemple. Ka pèmèt ke ou komprenn mò sa. Nou zi, if you do not have success for the first time, try and try again. Ouais. If you do not have success for the first time, you have to try, try again. If you do not have success, if you don't have success for the first time, try and try again. Ki signifi, si ou ese pou yon premye fwa,
ou pas réussi, essayez 20 fois sur le métier. Jusqu'à ce que vous venez capable de faire ce que vous avez fait. Ok? Donc, c'est pas découragé. Don't be unnerved. Don't be unnerved. Don't be discouraged. Ok? So, you have to encourage. Ou bien encourager. Ou pas lui décourager. Don't be unnerved. If you're unnerved, you want to be able to do what you have to do, what you want to do. Ok? So, if you do not have success for the first time, try and try again. Ok? Ça c'est exemple pour nous avoir pour un website qui c'est to try, qui signifie essayer. Ok? Qui signifie essayer. Et nous gagnons mot ça lui-même qui c'est un adjectif possessif. Ok? Donc, nous dit your ou bien your. Par exemple, nous dit your book. Ouais? Your book. Comme ça, nous avons dit your book. Ça va dépendre. Ok? That depends. Par exemple, nous dit your book. Si je parle lentement, je parle énergétiquement. Ok? Et bien, ça, je prononce comme your. Mais si je parle rapide dans une phrase, et bien, ça, il y a un son qui est plus ou moins léger. Li prononce comme year, ok? Par exemple, m'a dit would you play? Par exemple, il a dit c'est ton portable. This is your phone. This is your cell phone. This is your cell phone. This is your cell phone. That is your cell phone. Ok? Donc, ça, li prononce comme year. Mais si on parle énergétiquement, on parle lentement, ça, li prononce comme your. This is your cell phone. This is your cell phone. Ok? This is your cell phone. Ok? Donc, your et your. Donc, c'est un adjectif possessif. D'accord? Donc, il y a un son léger, il va parler rapide, et il y a un son qui est plus ou moins pesé, il va parler lentement. Ok? Your and your. Your book. Your book. Ok? Ok? For instance, your laptop. And your laptop. Okay? And the last one is live or life. Live or life. Lise un nom et en même temps, lise un verbe. Okay? It is a noun. It is a noun. Simultaneously, it is a verb. Okay? To live, qui signifie vivre, habiter. Okay? Where do you live? Qui signifie vivre, habiter. Live aussi. Par exemple, nous dit en direct. Par exemple, il a dit I am live on Facebook. Ouais, I am live on Facebook. Qui signifie moi en direct sur Facebook. Ouais, moi en direct sur Facebook. I am live on Facebook. Et puis, il a dit I live, OK? L'autre exemple là c'est I live in New York. Ouais, I live in New York. Ouais, I live in New York. Okay, ou bien I live in New York or New York. Okay, les deux se disent, d'accord? Ou qu'a dit New York, ou bien on doit dire New York. Okay, tous les deux. Bon, il y a un anglais britannique et il y a un anglais américain, d'accord? Donc on dit New and New York and New York. Okay, I live in New York. Okay, ne pas oublier. Okay, nous te dit Mosayo, yo. Par exemple, deux ça a des sons qui très rapprochés, mais pas même bagaille. Ça c'est twice, donc ça c'est twice, ouais, twice. Tandis que ça c'est try, qui signifie essayer, ouais, to try. Ça c'est your, ok, qui c'est adjectif possessif. Ça c'est live, qui signifie vivre, habiter ou encore live ou bien en direct. Ça c'est si un lui-même le signifie deux fois, et ça lui-même le signifie dans un clin d'œil, ouais, dans un clin d'œil. Ok, ça signifie dans un clin d'œil, ça signifie rapide. Tandis que ça signifie deux fois. Ça prononce comme twice, ça c'est twice, ça c'est try, ça c'est your, live or life. Ok? Donc, j'espère que nous te comprenons, j'espère que nous te bien assimilé. Laissons ça et nous mettons en application qui permet que nous grandissions en anglais, nous, encore nous, qui permet que nous apprenions plus de bagages. Et vous pouvez exprimer nous en anglais. I hope that you understand and you assimilate the lesson for today or the today's lesson that will help you to have
and knowledge, ability in English, and in the future, so that to express yourself and effortlessly in English. Je t'ai memorisé. I hope that you memorize them and you understand them. Okay? And don't forget to leave us comments, leave us like, and share the video if you think it's possible, if you think it is necessary. Thank you ever so much. Thank you a great deal for watching us. S'il vous plaît, nous allons quitter un commentaire, nous allons quitter like. Nous allons quitter nos points de vue, nous. Ok, dans un commentaire. Quitter like pour nous et puis partager la vidéo. Si nous voulons, c'est important, c'est nécessaire. Si nous aimons, Jean, il fait là. Si nous avons besoin de vous dire, nous venons avec quelques leçons, nous allons faire nos signes dans un commentaire. D'accord? Merci infiniment. À la prochaine. Ok? Thank you. Catch you for another lesson.